Les amis, regardez bien. 99 abonnés. S'abonner. 100 abonnés. Alors ça fait quoi d'avoir 100 abonnés? 100 abonnés, ça fait bizarre parce que c'est, je veux dire, tu t'es abonné un petit nombre de fois quand même, on va dire. Je me suis abonné, allez, 3 fois. Ok, non mais ouais, non, là c'était non, vraiment ça, pour marquer le machin parce que là. Et puis bon, faut se cacher chiffre, hein. C'est pas grand chose. Hein. Bah oui, allez, allez, là je vais là il y a toujours le partage d'écran parce que voilà, on n'avait pas, voilà. Je n'écris pas très vite, je sais. Du coup là, non mais pas MC, non mais ah oui, j'ai oublié le C de MC4 Team en fait. Du coup voilà. Et là, il y a un jour, 179 vidéos. 179 et encore. Cela fait certaines, hein. Ça fait 200 ou 200. En 200 vidéos, le centième abonné que je ne vais pas pouvoir voir. Est-ce que j'arrête le partage d'écran? Et voyez toute cette bonne team. Attends, faut que je me souvienne. Tangax, Falaval. Non. Sotovakin 53. Non. Ouais, Falaval, il est là. Falaval. Lui, Démon 3X. Non. RQ. Pas de chance. Mais c'est lui, Démon 3X. Non, lui c'est un Joff. Mais bon, il a changé de skin depuis. Un Joff. Ah, je suis désolé, non, c'est pas un Joff ça. Hein. Skin depuis, donc, la bannière. Bon bref. Là, il y a Eldaimon. Et là, il y a toi en mode je suis le conquérant avec un chat qui se tape l'incruste. Bon, je vais enlever le partage d'écran, ok? Voilà. Et exprime ta joie avec tes 50 000 abonnés. 50 000, oui, bien sûr! 50 000 abonnés! Oh, what? Non, exprime ta joie avec tes 100 abonnés parce que, quand même, 100, ça fait beaucoup de personnes. Bon, je fais partie de ces 3 personnes parce que j'ai 3 personnalités, mais après, voilà. Ouais, bon. Bah, ça fait un petit peu moins de 100 abonnés. Vu qu'il y a quelques doubles comptes, mais quand même ça fait un beau nombre déjà, et au-delà du nombre, ça veut dire que des gens quand même s'intéressent à ce que je fais, et c'est ce que je souhaite absolument que les gens voient, et yeah, qui prennent du plaisir à voir mes créations. Et je vois j'avoue que au bout d'un moment, je vois moi aussi ça me rend du bonheur quand je vois 10 personnes qui regardent ta vidéo et qui mettent des pouces rouges. Non, je rigole, mais toi j'ai mis pour rigoler un pouce rouge, mais après j'ai remis direct un pouce vert. Et le problème c'est que ça avait bugué, du coup ça restait pouce rouge, je me dis non, non, j'ai enlevé la vidéo, j'ai remis la vidéo, pouce vert. Parce que je me dis, t'as jamais eu un seul pouce, t'as déjà eu un pouce rouge dans une de tes vidéos? Alors, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Donc en gros sur les pouces rouges, passage sur une vidéo de la MC. Ah par contre, plutôt. Alors bien sûr, pour tous ceux qui regardent que CLB35, oh oui, j'avais oublié. Allez, voilà. Juste pour te dire, t'as 21 abonnés sur ta chaîne perso. Ah oui, cool. Pardon. Là, le passage, ouais. Donc, passé sur MC4 Team, parce que c'est quand même un passage important. C'est 100 abonnés, putain. Les 100 abonnés. Oui, à propos des pouces rouges, c'est juste Baba Néoré qui me trollait des fois. Genre, il me disait, ouais, tes vidéos sont pas bien, on va te troller. Limite de la jalousie, j'aimerais pas aller jusque là. Je pense que Auré, de toute façon, ça a toujours été un troll depuis qu'il est rentré dans la team jusqu'à son départ de la team jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours un troll. Même quand il est né, il avait une tête de troll, tu sais. En fait, il est là. Troll face. Oh, hey, oh mon dieu, je suis né, je m'appelle troll. Oh, lalala. Mais de toute façon, on pourrait dire tout ça. Comment dire, il ne nous entendra jamais parce qu'il regarde plus tes vidéos. Il dit que c'est du caca. Je ne compatis pas du tout. Il regarde 2-3 vidéos de temps en temps pour me donner son avis. D'ailleurs, son avis est souvent assez juste quand il veut le donner sérieusement, mais des fois c'est juste du troll. Ouais, bah par exemple, bah par contre, pour ceux qui regardent que la chaîne de CLB, allez directement voir sur la MC4 Team. Il a mis une vidéo il y a une semaine. C'était pour la map qui a été réalisée surtout par Tinjoff et toi, bien sûr, qui a fait 48 vues quand même. Je suis quand même le lanceur de l'initiative. Oui, alors c'est le lanceur. Baban a été celui qui a l'élément de déclencheur. Ensuite, j'ai voilà, commencé à créer le projet. Donc, c'est CLB a. En fait, si vous voulez, CLB, en ma vie, a fait surtout. T'as dû faire surtout les command blocks, toi, ou des trucs comme ça, non? J'ai fait tous les command blocks, ce qui est un bordel monstre, d'ailleurs, faudrait que je vous montre ça. Juste voir Tinjoff, parce que si vous voulez, moi, je suis un peu un privilégié, parce que j'ai vu la map, en fait, moi, parce que je suis un privilégié et tout. Et j'ai vu vraiment, à mon avis, il s'est donné beaucoup de mal, Tinjoff, et toi, à mon avis, ouais, pour cette grande construction. Je Minecraft pour. Pour passer ça sur un autre fichier, pour vous montrer un petit peu la map en direct, justement. En live. Et je crois pas que tu aies dit que dans ta nouvelle vidéo que tu avais fait un partenariat avec Lego Motion.
Ah, Lego Enfin, je... Motion. Lego Motion, c'est un ami IRL, c'est Black Ghost, hein, c'est son pseudo. Lego Motion, donc si vous le savez pas, moi j'ai fait et je compte refaire des brick films, c'est-à-dire des films d'animation image par image en Lego. Pourquoi Lego? Parce que c'est très articulé, très pratique pour ça. Et j'ai un Ne ami cassez justement, pas allez, parce que c'est j'ai nous un qui ami d'assez longue date maintenant, je dois le connaître depuis 4-5 ans, qui faisait ça, j'ai appris récemment qu'il le Ah faisait moi, aussi, et donc. ah moi je le connais depuis la maternelle si tu veux, donc après voilà. Voilà. Allez, passage d'ailleurs sur Minecraft. Voilà, nous voici sur Minecraft. Donc sur la map. Ah, parlons vite fait de Minecraft. Par contre, j'ai pas envie de dire, mais j'ai envie de dire, parce que si vous voulez, au collège, on devait faire une rédac sur quelqu'un qu'on aimait. Et bah, parce que c'était une évaluation finale et tout, en anglais. Et moi, du coup, j'ai pris notch. Ah bah tiens, J'ai t'es eu pas le un. seul. Ah, bah, j'ai eu un non-acquis, parce que il paraît que j'ai. Bah oui, parce que. Elle nous avait pas dit qu'on n'avait pas le droit d'aller sur internet. Du coup, j'ai fouillé des trucs sur internet. Je suis allé mettre des mots hyper compliqués en anglais, qui voulaient rien dire, il paraît. Du coup, je me suis pris un non-acquis. Mais je m'en fiche, j'ai eu deux. Ceux, j'ai eu 2,20 et là j'ai eu un 5, un truc comme ça. Mais de toute façon, je m'en Au fous un peu. pire, Parce que ce sont des choses qui ça arrivent. me fait. Ça me fait du 45 sur 60. Un truc. Ouais, D'ailleurs, ça fait ça. sur la map, je vous montre principalement ce que j'ai fait. C'est pourquoi il y a une ligne d'émeraude, c'est parce qu'en 0-0 pile, je peux pas mettre de tripwire parce qu'il y a des flèches glitchées dedans qui servent pour des chunk loaders sur la map. Okay. Donc, Cool. ici c'est plutôt soft et plutôt bien rangé, ça c'est ce qui est fait de longue date. Lol. Ah oui, aussi, est-ce que tu pourrais montrer, si tu peux, est-ce que tu as encore ce qu'on avait fait avec Tinjoff, tu sais, où on avait la matraque avec, tu sais, le sol Ouais, glissant. ça je peux Bah, pas juste montrer montrer. dans je peux pas Juste montrer dans montrer. l'immédiat, mais Ah, tu peux pas, ok, parce que je peux tu pas pourrais te montrer mettre dans en game mode Ouais, parce que j'ai zéro, modifié la avoir la matraque pour matraque. qu'elle soit utilisable en jeu. Ça, c'est les anciennes bannières de chaque camp. On en a refait d'autres depuis qui sont plus classe, même si j'étais plutôt content de celle-là déjà. Et voilà, là c'est le bordel monstre, c'est le dernier truc que j'ai fait. C'est la gestion de la partie, donc je vais essayer de vous décrire. Ça, Je vois ce dès que que la c'est. partie est lancée, ça rajoute du timer, ça met le timer, et dès que le timer atteint Un certaines peu parties, à la ça met KTP des quoi. titles. Et si il y a un timer qui se retrouve à zéro, ça doit se trouver quelque part par là. Voilà, c'est ici, si le timer a fini, explosion de l'œuf, classique. Si vous connaissez pas bien le projet, vous voyez pas ce que je veux dire, je vous redirige vers la vidéo teaser Egg Défense, sur la chaîne Dans d'Egg. le lieu, dans le lien dans la description, je rajoute du boulot. Ouais, merci pour le boulot, description. Hop, donc là, c'est un bordel monstre, hein, globalement. Tu peux pas tester, hein, c'est commande bloc par CLB. Non mais je sais, j'ai tout vu moi parce que si vous voulez, je suis Et puis, habillé tu tout, sais, tout. j'en ai J'ai tout vu. rajouté depuis, j'en ai rajouté facilement 100. Ah oui, mais moi si tu veux, moi et Common Block, ça fait deux, mais vraiment deux parce que si tu veux, moi je suis un C'est peu un noob dans Minecraft. Je connais beaucoup de choses sur Minecraft, mais tu vois, j'ai hésité à m'acheter pour le LOL, comment ça s'appelle, Minecraft pour les nuls, tu sais, le livre. Ah Mais oui. juste pour le LOL, tu sais, juste pour voir si c'était réel. Bah, juste pour voir pour le LOL, quoi. Sauf que j'avais trouvé dans un magasin, mais je suis pas retournée, du coup, voilà, j'étais un peu mad. Mais les guides officiels Minecraft, si je peux donner mon avis, ils valent que dalle. Très franchement, Ouais, je sais. l'avis d'un Vaut mieux confirmé un bon comme moi a déjà explicateur. beaucoup plus de valeur Et juste que pour celui de dire, quelqu'un là. quand même, Mojang et Notch se sont fait un max d'argent. Parce que dans les toutes premières versions de Minecraft, tu savais que Minecraft était pas payant. Oui, Il était gratuit. je sais. Ouais. En Parce que, Minecraft, faut dans dire, la hein, version Windows. il a. Juste pour dire, Notch a eu 2,5 milliards de fucking dollars. Il s'est acheté une fucking Ferrari. villa. Villa. Pas mal pour un Mais il y avait étudiant. deux filles avec eux un peu, voilà. Il aurait pu les prendre avec quand même, hein. Il aurait rajouté 1 000 euros et puis voilà, il avait rajouté deux femmes avec, hein. Après voilà, je dis ça. Mais en tout cas, il vit dans le paradis en même temps. Mec, il a. C'est comme s'il a. Mec, à la base, c'était un mini développeur et un mini créateur. Ouais. Il se fait Mais oui, 2,5 d'ailleurs, milliards il est de dollars. modeste quand on regarde dans l'interview les raisons officielles de son départ de Mojang, de la création de Minecraft. C'est vraiment, je Oui, m'attendais mais pas à à mon ce avis, succès, c'est un c'est perso, difficile je à trouve. vivre, et puis de toute façon, maintenant j'ai de l'argent pour vivre jusqu'à mes 70 ans, donc au pire. Donc au pire, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de remerciements et de papotage sans abonné, ainsi que la fin de cet épisode de The Matico sur la chaîne CLB35. Je suis complètement sérieux. Donc sur ce, j'intégrerai ce montage en deux vidéos, ça va être MTR. Donc sur ce, on vous remercie tous les deux de votre fidélité sur la MCK Team. On fera une vidéo un peu plus officielle pour les 100 abonnés. Là, c'est plutôt direction en Est-ce que live. je pourrais
Voilà. Allô. Donc je vous remercie du visionnage de cette vidéo live spéciale. Et je vous donne rendez-vous pour une vidéo plus officielle. Et je vous dis au revoir. Quelque chose d'où vous regardez cette vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir. C'était Serbe. Au revoir. C'était Frosty.